c'est fait. La signature du cahier de charge de la responsabilité sociétale entre le représentant de la cimenterie du Congo, société à responsabilité limitée, les représentants de la communauté des villages Kinanga, Kisiama, Mindawe, Nelolo, Kondo et les représentants de la société civile samedi 9 décembre 2023 dernier devant le bâtiment administratif de la dite société. Cette obligation et le respect de l'article 403 du règlement minier révisé depuis 2018 par le législateur congolais. C'était sous la facilitation de la direction chargée de la protection de l'environnement minier et l'Agence congolaise de l'environnement qui ont joué la médiation entre les communautés qui sera affectée par les activités d'exploitation du Sikosarl dans le territoire de Songololo, province du Congo central, la société civile et les représentants de la dite cimenterie pour l'élaboration du cahier de charge de la responsabilité sociétale qui comporte les projets ci-après. L'adduction d'eau potable pour toutes les communautés, l'aménagement du terrain dans les villages Kinanga, Kisiama, Ewene et dotation des équipements sportifs dans tous les villages. L'installation de l'éclairage public, énergie solaire, installation des lampadaires dans ces villages. Encadrement des communautés en agriculture, tout au plus 3 hectares et en élevage. La construction de 6 salles de classe à l'école primaire Mayenga à Bethléem pour l'école secondaire et professionnelle. La construction du centre de santé à Kinanga et dotation de matériel médical. La construction des hangars agricoles et dotation des moulins. La maintenance de la route Bethléem-Lolo. L'engagement auprès des communautés, entre parenthèses, emploi. Tous ces projets sont chiffrés à la hauteur de $200,000 pendant 5 ans. Plusieurs autorités du territoire de Songololo, le représentant du gouverneur de la province du Congo central, le ministre provincial de Mines, Mac Matondo Kwanzambi, et le directeur général de la cimenterie du Congo, société à responsabilité limitée, ont préparé à cette cérémonie. Prenons la parole, mais c'est Alexandre Kabenge, les représentants des communautés, à remercier le gouvernement et SICO pour la matérialisation de tous ces projets qui va développer ces coins de la province du Congo central. Monsieur le ministre provincial en charge de Mines, monsieur l'administrateur du territoire de Songololo, monsieur le chef du secteur de Kimpesi, monsieur le directeur général de la SICO, camarades, les coordonnateurs de la nouvelle société civile des droits humains, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Bonjour. À ce jour, le comité local du développement en cycle CLD des unités de 5 villages, entre autres, Linda, Lolo, Kinang, Siam, Wen, en collaboration avec la SICO, remercie le ministre provincial en charge des mines, de nous avoir amené une nouvelle activité du développement au niveau rural, dont le cahier de charge est en collaboration avec la société SICO. Nous vous serons reconnaissants de tout cœur pour cet acte que vous venez déposer à notre endroit. Nos remerciements vont tout droit à toutes nos autorités citées ci-dessous. À chaque fois, nous ne manquerons pas vous transmettre nos rapports des différentes activités. Accepter d'élaborer ce cahier des charges. Que Dieu bénisse nos activités rurales, nos autorités de la place, la société FICO, y compris la République démocratique du Congo. Nous vous remercions tous et toutes. L'administrateur du territoire adjoint en charge de l'administration dans le territoire de Songololo a félicité l'entreprise et les patrons du mine de la province pour l'innovation depuis son avènement à la tête du ministère de Mines et pour le souci qu'il anime de développer la province de Fumukimbang. Monsieur le ministre provincial en charge des mines, honorable député provincial, directeur de Kimpesi, Monsieur le directeur général de la cimenterie du Congo, messieurs et mesdames les représentants des ayants droit foncier, distingués invités, tout protocole observé, c'est une grande joie pour moi de souhaiter à votre excellence bienvenue dans mon territoire de Songololo. En ce jour de la signature du cahier des charges entre la société cimenterie du Congo
et les ayants droit fonciers. La signature du dit cahier des charges exprime la volonté de la Direction générale de la cimenterie du Congo de se conformer aux dispositions pertinentes du code minier en vigueur dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Il va être signé dans quelques instants, constitue les gages d'unité entre la société CIPCO et toutes les communautés qui sont impactées par les effets nocifs de ces activités industrielles, à savoir la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution des cultures, le tremblement des terres provoqué par le lancement des explosifs. Étant donné que la signature d'un cahier des charges constitue une chose, mais son exécution est une autre chose, d'ores et déjà, soyez rassurés que je veillerai personnellement à l'exécution sans faille de toutes ces clauses. Je ne saurais pas terminer mon propos sans exprimer mon entière satisfaction pour l'implantation de la CIPCO dans mon territoire. Avec un effectif de 4 cimenteries, le territoire de Songololo demeure le premier territoire cimentier de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dans son intervention, le directeur général de la CIPCO SARL a évoqué quelques difficultés que l'entreprise a rencontrées depuis son installation jusqu'à ces jours. All our colleagues and respected ministers and officials, welcome to all. Mr. Territorial Administrator of Songola, Honorable Province Deputies, Excellence, the Provincial Minister in charge of Mines, gentlemen and ladies, representative of land owners, all distinguished guests in your respective title of capacities, ladies and gentlemen, may I be permitted to give all the glory to the Lord our God, who, being the master of the time, of circumstance, has allowed to each of us a present of enhanced with this presence in this site, which welcomes to us for the every first time, despite all of resolutely decided to abandon in our to take this first step, which consists of respecting the mining code as recommended Congolese government of the DRC. None other than the signing of the specifications for social responsibility with the local communities, and we would like to thank you following this consideration that you have shown words to us. Deputies, Excellence, the Provincial Minister in charge of the mines, gentlemen and ladies, representative of land right holders, all distinguished guests in your respect, title, quantities of ladies in 2016. However, no one is supposed to be unaware that all women and works. This is how, following the multiple constraints encountered since our establishment, this did not allow us to satisfy the expectation of many people who were released of the first bag with the CIPCO SARL improvements. Into account three aspects, which are: first, human resources; second, financial resources; third, technical resources. But in this present case, and the one that concerned us, we experienced enormous constraint linked to infrastructures, roads and bridge, for accessibility that we built ourselves, with electricity which until now does not directly allow us to work, since we are not yet connected from where all our machines operate using the current product by the generators. There is reason to image additional expenses. As Excellence Minister, it is appropriate to remember that your advent
at the head of the minister that you led. And far from the flattery, you came with a lot of innovations to get your expertise for better support. God bless SICO. May God bless our province. God bless DRC. Say thank you for all. Of you, and in addition to all your actions that you continue to carry out of for the well-being of our population, to all the communities benefiting from the said notebook, it would be an abomination to us if we ignored the will, the understanding, and then the patience that you have to show throughout the development of with the document, which will have to be signed under the vigilance of all words in concrete and visible way, where before seemed to like a to work in the same way for the development of this region. Dear communities, we ask you to protect the building that will be built because of the sustainability of the all these achievements will once again attract many people to come and settle with you. A way of slowing down the long deplorable outside. To conclude, we can get your expertise for better support. God bless SICO. May God bless our province. God bless DRC. Say thank you for all. Sangororo, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le ministre provincial en charge des mines, Messieurs et Dames les représentants des ayants droit foncier, tous distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de rendre toute la gloire à l'Éternel notre Dieu, qui étant le maître des temps et des circonstances, a permis à tout un chacun de nous ici présents de rehausser de sa présence dans ce site qui nous accueille pour la toute première fois, résolument décidé d'abandonner en vue de franchir cette première étape qui consiste au respect du code minier tel que recommandé par le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo. Cette obligation n'est autre que la signature du cahier des charges et de responsabilité sociétale avec les communautés locales. Et nous tenons à vous remercier suite à cette considération que vous avez manifestée à notre égard. Ministre provincial en charge des mines, messieurs et mesdames les représentants des ayants droit en vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, la cimenterie du Congo, SICOSAL en sigle, est une société de ciment qui avait débuté ses travaux depuis 2016, toutefois, perfection. C'est ainsi que, suite aux multiples contraintes rencontrées depuis notre implantation, celles-ci ne nous ont pas permis de donner satisfaction aux attentes de nombreuses personnes qui attendaient déjà voir la sortie du premier sac avec les empreintes de la cimenterie du Congo SAL. Les ressources humaines, les ressources financières et trois, les ressources techniques. Mais dans le cas d'espèce, et celui qui nous concerne, nous avons connu d'énormes contraintes liées, un, aux infrastructures. Toutes nos machines fonctionnent moyennant le courant produit par le groupe électrogène. Là, il y a lieu d'imaginer les dépenses supplémentaires. Comme vous le savez, aucune cimenterie ne peut tourner avec le courant de ce genre et être compétitive. Excellence, Monsieur le ministre, il sied de retenir que votre avènement à la tête du ministère que vous dirigez est loin de toute flatterie. Vous êtes venu avec beaucoup d'innovations, mais surtout notre province. Donc, nous sommes fiers de vous et en plus de toutes vos actions que vous ne cessez de mener pour le bien-être de nos populations. À toutes les communautés bénéficiaires du dit cahier, il nous serait une abomination si nous ignorons la volonté, la compréhension
La patience dont vous avez fait montre tout au long de l'élaboration être comme une utopie. À elle, tous, nous leur confirmons que nous continuerons à travailler avec la même manière pour le développement de cette contrée. Pour terminer, nous ne pouvons que vous remercier une fois de plus d'être venu chez nous, mais tout en ayant toujours besoin de votre expertise pour un meilleur accompagnement. Que Dieu bénisse la SICO, que Dieu bénisse notre province, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Les patrons du mine de la province du Congo central, l'homme du cahier de charge, comme il est surnommé aujourd'hui, l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, a dans son speech commencé par expliciter le cahier de charge et les protocoles d'accord avant de féliciter la SICO SARL pour la volonté qu'elle a fait montre et propose l'augmentation du budget des projets pour le 5 ans prochain. Parce que en tout cas, il y a confusion. Je suis venu à la Vava, je suis venu à signature du cahier de charge. Parce que en tout cas, il y a confusion. Le cahier de charge, il y a protocole, il y a vos conventions, il y a signé, il y a ma société, il y a ma compagnie. La société, oui, c'est une passe Bakanto to kabeno bayanti kasala bisalu lo vui di protocole d'abord lo signanga bio ba bananga itali di kaka beno lo vui di ntoto ye company kanti landila ntswasa ni bon tsobolo ya mambu mataji di code minier yo tutasali la mamma kae de charge mataji di ye beno lo vui di ntoto. Ye bobo ba lembo lo voan toto ba wonto no bena concerné mumambu matadi di cahier de charge. Voilà précision de relevant avant la kina fulu. Momo mena mu cahier de charge matadi di beno mfumu zan toto ye bobo ka bena mfumu zan toto ko buke na vo ba tambu di mu voana mu bizunga byo byo bena projet yo ye vo compagnie di odio bena concerné. Il a signé matadi dikaka beno ye compagnie nanga précision yo nzole levana bana kina fulu mpasi katukadi ye ngi nous en kaka provincial monsieur l'administrateur du territoire de Songololo, monsieur le directeur général de la SICO, monsieur le chef de secteur de Kimpese, monsieur les membres du conseil local de développement, messieurs les représentants des ayants droit foncier, distingués invités, protocole entendu. De prime abord, gloire soit rendue au très haut, l'incré, maître des temps et des circonstances, qui a permis l'organisation et la tenue de cette activité. Je cite la signature du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale de la cimenterie du Congo, SICO en sigle. Je rends également un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, le docteur Guy Bandundungidi, qui n'a cessé de nous accorder son accompagnement pour la matérialisation de la vision du chef de l'État visant à améliorer les conditions de vie de nos populations. Ce séjour est une preuve éloquente de la consolidation du socle social à partir duquel va se projeter le futur de notre province. Par ailleurs, je tiens à féliciter chaleureusement les autorités de la SICO, notamment M. le directeur général, pour le pragmatisme, car en dépit des multiples difficultés auxquelles votre cimenterie fait face pour lancer la production, vous avez sans atermoiement démontré votre volonté manifeste à respecter les lois et règlements
de la République. Au nom des communautés locales, pour le strict respect de l'article 403 bis du règlement minier, et vous exhorte à la pérennisation de cette attitude qui, sans nul doute, favorisera la collaboration et les communautés locales affectées par vos activités. Dans les mêmes registres, j'invite la SICO, dans un futur proche, de penser à la réévaluation et la révalorisation des protocoles d'accord ou conventions qui les lient aux ayants droit foncier en vue de donner un nouveau souffle au développement des communautés locales d'une part et de poser les règles stables et acceptées par tous pour assurer de manière pérenne la coopération entre les parties d'autre part. Aux communautés locales, la SICO n'ayant pas encore véritablement lancé sa production, a chiffré les projets à la hauteur de son budget actuel, en espérant une amélioration significative au cahier des charges qui sera élaboré et signé pour les prochains quinquennats. Nous saluons les efforts de tous ceux qui ont participé à l'élaboration du cahier des charges dont la signature interviendra tout à l'heure. Je cite ici les membres du bureau d'éthique, la société civile, pourquoi pas les secteurs. Une nouvelle ère de développement communautaire durable dans nos entités. Et cela reste incontestablement un équilibre que nous devons préserver pour l'intérêt de tous. Je vous remercie. Après la cérémonie de la signature du cahier de charges suivie, la visite guidée par le directeur général de la SICO Sarles qui a expliqué la grande partie des machines qui servent à la fabrication du ciment. De la carrière en passant par la cuisson pour clôturer au contrôle du ciment. Now,
y aura le chips, le cracker et le cracker. The material extracted from Saturn here to this aeroglazer, air slide. Okay. Material is passing to packing plant. Donc le ciment maintenant descend par ce tuyau pour arriver au niveau de l'enfachage. Loading point 2, loading point 3. Donc là, on peut charger un camion, deuxième camion. Donc on peut charger trois camions. On a 100 Cette grande cérémonie de la signature du cahier de charge à responsabilité sociétale a été clôturée par un cocktail qui a permis aux communautés locales d'exhiber quelques pas de danse en vue de exprimer leur joie. Il faut noter que la cimenterie du Congo, société à responsabilité limitée, est installée dans le village Bethléem, territoire des Songololo, province du Congo central depuis 2016. 8 ans jour pour jour, le personnel de cette entreprise attend toujours la sortie du premier sac du ciment avec l'empreinte de Sikosarl dans les jours à venir.